Bonjour, je vous présente mon enregistreur de données GPS pour vélo. On a un interrupteur en off, une dalle qui nous indique lorsqu'il y a un fixe GPS et un bouton poussoir pour enregistrer un point GPS. Ça se fixe sur le guidon tout simplement avec les crochets. Comme ceci. La dalle clignote, ce qui veut dire qu'on a assez de satellites pour avoir une localisation GPS. La période de début juillet est idéale pour repérer l'asclépiade parce qu'elle est en fleur. On peut voir les fleurs roses, très visibles. Ouvrons le dispositif pour voir ses composantes. On a tout d'abord l'antenne. Une batterie lithium polymère. Ici, on a le chargeur à batterie, le module GPS, une carte SD pour enregistrer les données et un Arduino Uno pour contrôler le tout. On a la dalle, l'interrupteur et le bouton poussoir. On va donc récupérer la carte SD pour voir les données. Il y a encore un petit bug dans mon programme qui fait qu'il manque certains caractères. J'ai donc dû éditer manuellement le fichier pour avoir des belles lignes. J'ai écrit un petit programme Python qui extrait la latitude et la longitude de chaque ligne NMEA enregistrée. Ça l'exporte le tout dans un fichier CSV. On peut ensuite tracer les points avec Google My Maps. Voilà le résultat, ce sont tous les endroits où j'ai observé de l'asclépiade durant ma balade en vélo. On peut remarquer que l'on retrouve l'asclépiade principalement aux abords de la piste cyclable des Cheminots, qui était en fait anciennement une voie ferrée, qui agit comme un îlot plus sauvage dans un secteur assez habité et industrialisé.